വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ. Rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe... Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le Sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Nous allons parler sur Satan et ses objectifs. Nous allons partager cette parole afin que nous puissions discerner les actions du diable dans notre vie et le résister. La Bible dit résister au diable, il fuira loin de vous. Qui est-il? C'est un ancien chérubin. Il était chérubin. Les chérubins sont des esprits au service de Dieu. Dans la plupart des temps, on dit les anges. Alléluia. Mais c'était un chérubin. Que vous puissiez mieux comprendre, c'était un ange puissant et qui avait à sa charge un tiers des anges, mais qui s'était rebellé contre Dieu et Dieu l'a précipité. Il est l'ennemi numéro un de Dieu. La Bible l'appelle, nous allons lire Apocalypse chapitre 12, verset 9. Apocalypse 12, 9, on va lire. Apocalypse chapitre 12, le verset 9. Oui. Apocalypse 12, nous lisons le verset 9 au nom du Seigneur. Amen. Et il fut précipité. Akapolomo soit. Le grand dragon. Ulenjoka. Munene. Le serpent ancien. Ule nyoka wazamani, appelé le diable et Satan, banamuitaka diabulo na shetan, celui qui séduit toute la terre, ye jeko na vuta dunia yote, il fut précipité sur la terre, akapolomoshwa pa dunia, et ses anges furent précipités avec lui, na ba malaika bake bakapolomoshwa pamoja naye. Amen. Amen. Alléluia. Vous voyez ici, la Bible met la différence entre lui et ses anges. Ses anges, on les appelle des démons. Lui, la Bible l'appelle le grand dragon. Ce nom ici est lié à sa violence. Et on le voit manifester la violence dans l'ancien monde. Et puis on l'appelle le serpent ancien. Ce nom-là est lié à son action dans le jardin d'Éden, l'action de séduction. C'est un séducteur. Il séduit.
Alléluia. C'est comme ça que beaucoup de gens pêchent par séduction. Le diable et les démons ne viennent pas les forcer. Satan ne vient pas forcer quelqu'un à commettre l'impudicité, à commettre l'adultère, à s'enivrer, à voler. On ne force personne. Il travaille par la séduction. Il séduit quelqu'un en lui montrant que, que ce qu'il va faire est bon, ça va aller pour lui. Et la personne se donne. Il est le serpent ancien, le séducteur. Quand on va dire que film, on a un zambi, quand on va dire que tu as un film, on a un zambi, mais il vient en séducteur. Il séduit. Et ça, ça se passe au niveau de la pensée. La personne est séduite et la personne se livre au péché. Il n'avait pas forcé Adam et Ève, non. Il ne s'est pas manifesté comme dragon, grand dragon, non. Il s'est manifesté comme grand dragon dans le monde d'alors. Ça, vous pouvez trouver ça en Ésaïe 14 ou Ézéchiel 28. Là, il s'est manifesté comme dragon. Mais dans le jardin d'Éden, c'est la séduction. La Bible l'appelle aussi Satan. Satan qui veut dire opposant. Il s'oppose à ce que nous allons voir aujourd'hui. Il est opposant à tout ce qui est de Dieu. Il s'oppose. C'est comme ça pour le cas de Job. Pour le cas de David, la Bible dit Satan, l'appelle Satan. Alléluia, s'éleva contre Israël. Il va exciter, il va séduire David pour faire quelque chose de mauvais. Voilà. Et puis on appelle le diable. Diable qui veut dire calomniateur, accusateur. La Bible dit, il nous accuse devant Dieu jour et nuit. Vous voyez, c'est un seul individu spirituel. Mais il est capable de faire tout ça. Un seul. On dit, c'est lui qui séduit toute la terre. Lui seul est capable, sans ses démons. Sommes-nous ensemble, hein? Lui seul, sans, est capable de séduire toute la terre. Parce qu'il a été capable de séduire le un tiers des anges. Or, qui sont actuellement des démons. Les démons sont plus nombreux que les hommes sur la terre. Nous, on nous compte en milliards. Il y a plus de 10 milliards d'individus sur la terre. Mais les démons, on les compte en 1000 milliards. Maintenant, s'il était capable de séduire plus de 1000 milliards, que dire? C'est comme ça qu'il a été créé. C'est Dieu qui l'a créé comme ça, il lui a donné toutes ses capacités-là. On dit, il séduit toute la terre. C'est un séducteur. Voilà. Mais dans tout ça, il a deux objectifs principaux. Deux objectifs principaux. Deux seulement. Contre la vie de chacun de nous. Deux. Alléluia. Et je vais te les démontrer. Nous allons lire Job, chapitre 1er, versets 6 à 22. Je voudrais qu'on lise toute l'histoire. Et puis, le chapitre 2, du verset 1 au verset 9. On va lire toute l'histoire et je voudrais te montrer quelque chose de très important. Alléluia. Right. De très important. Suivez très bien. Job 1, de 6 à 22, nous lisons la parole du Seigneur. Disons Amen. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Ici, lorsqu'on parle des fils de Dieu qui se sont présentés devant l'Éternel, on parle des anges.
Alléluia. Voilà. C'est la même chose, c'est le même texte, c'est le même mot qui est utilisé en Genèse, en hébreu. En Genèse, quand on dit les fils de Dieu ont vu les filles des hommes. On parle des anges. Oui. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Shetani naye akakuya katikati yabo. Stop d'abord là. Alléluia. Satan est allé au milieu de qui? Devant qui? Devant Dieu, hein? N'est-ce pas? Hein? Ok. Dieu l'a chassé. Je voudrais simplement te dire. Crains Dieu. Marche dans la parole de Dieu. Attache-toi seulement à ce que Dieu te révèle. Ce que tu ne comprends pas, les choses cachées appartiennent à qui? Sinon, tu es calme, on a dit que tu laisses ma. Pourquoi mon moi, tu as chétani? Quoi, qui? Et Dieu, quand vous, on va continuer l'histoire. Dieu a arrêté, n'a pas parlé avec ses fils. Il a commencé à parler avec qui? Il a parlé avec Satan. La date de l'autre fois. Si Mungu aliyosema Adam na Eve batakuri ile ntunda, pourquoi aliacha? Pourquoi? Pale alikumba mtu, wende ulimuonesha sema akumbe mtu, ashikumbe kafar, kankrela. Alléluia, peuple de Dieu. Satan vint au milieu d'eux. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel dit à Satan, Mungu anamweleza Shetan, d'où viens-tu? Unatokea wapi? Et Satan répondit à l'Éternel, écoutez la réponse. Shetan anamujibu Mungu, de parcourir la terre, milienda kutembea, milienda kuzunguluka, milienda kutembea padunia, et de m'y promener, na kuzunguluka amo. Alléluia. Donc, il a la capacité de se promener. Quand quelqu'un se promène, ça signifie quoi? Il n'est inquiété par personne. C'était du temps de Job. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Parce que s'il descend et qu'il va se promener au-dessus de ta maison, au nom de Jésus. Promenade déjà couché depuis hier soir les couilles. Mais quand on dit promener les sages hier soir, alors quoi les couilles? Ah pas ça ça. À quoi on attend la promenade? Et s'ili. Alléluia. Michel a somme mon Bible. Tena fois s'ili après hier soir couilles. Oulé bon on a simé. Alors quoi faire promenade pas donné? Chakouisha. Gloire au Seigneur. Oui, continue. L'Éternel dit à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne. Dieu a l'habitude de parler de ses enfants, même à ses ennemis. Alléluia. Il m'a dit Job. Gloire au Seigneur. As-tu remarqué mon serviteur Job? Continue, ma soeur. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Akuna muntu sa ye padunia. C'est un homme intègre et droit. Ni muntu wa kunyoloka mutu wa usawa. Craignant Dieu. Eko nongopa Mungu. Et se détournant du mal. Na eko na enda mbari na mabaya. Et Satan répondit à l'Éternel. Satan na mujibu Mungu. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Si Satan dit à Dieu, ne l'as-tu pas protégé? Cela veut dire, alianja kupima kwenda kumkombanisha Job, mais qu'on akuta mur de protection. Continue. Lui, yeye, sa maison,
Nyumba yake et tout ce qui est à lui. Na biote biake. Donc anipima mumakaji ya Job anashinda. Anapima mumaferi ya Job anashinda. Abambe ata makuta anashinda. Abambe batoto anashinda. Continue. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Unabariki makazi yake. Et ses troupeaux couvrent le pays. Na bankondolo yake baisha kuyala mumukine. Mais attends d'abord, vous comprenez que le diable avait toutes les informations sur Job. Hein? Il en a aussi toutes sur toi. Hein? Alléluia. Suis-moi très bien. Je ne te parle pas de démons. Dieu a posé la question à Satan sur quelqu'un, n'importe qui, pardonné, il n'a pas de Job. As-tu remarqué mon serviteur Job? Satan a donné à Dieu toutes les informations sur Job. Sur Job, sa maison, ses affaires, ses biens. Il lui a même dit, ses troupeaux couvrent tout le pays. Donc il savait toutes les informations. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire, le monde des ténèbres détient toutes les informations sur toi. Un jour, j'ai prié pour une dame. J'ai chassé le démon. Alors, l'esprit qui était, les démons qui étaient dans, parmi les démons qui étaient dans la dame, il y avait une qui s'appelait princesse Diane. Alors, je chasse ce démon-là. Le démon me dit, je t'ai vu quand tu es né. Rien, right. Le démon m'a dit ça. C'était une princesse. Elle m'a dit, je t'ai vu quand tu es né. Quand tu grandissais, je te voyais. Et tu veux me chasser aujourd'hui. Il m'a dit ça. Alléluia. Mais je l'ai quand même chassé. Alléluia. Parce que promenade chaque fois. Jésus est déjà venu. Gloire au Seigneur. Mais je m'étais étonné de ça. Écoute bien aimé, ils ont toutes les informations sur nous. C'est pourquoi la fois passée je vous ai dit, faites attention, ne livrez pas quoi? Right. Il avait les informations sur Job, sur sa maison, sur ses biens, à lui à la fois Shibiko. Tout ou partout étaient les biens de Job, il savait. Il avait ces informations-là. Mais pour un but que je vais vous dire. Continue. Mais, Lakini, étant ta main, nyoloshe mukono yako, touche à tout ce qui lui appartient. Bamba kubiote biake. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Niko sûr et certain que Job atakufing. Atakufing en face. Donc, dans ça, mungu. Allez, Anafink. Attaque Toukane. Oui. L'Éternel dit à Satan. Mungu anamwonyesha Satan. Voici. Tazama. Tout ce qui lui appartient. Biake biote. Je te le livre. Mina kwa chiavi. Cela veut dire, Dieu a donné l'ordre à tous les anges qui gardaient ce qui appartenait à Job. Et dit, Kajinaïcha. Mukoui. Laissez les chemins ouverts. Ne protégez absolument rien. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Apana kumu weka mukono, apana kumu bamba ye mwenyewe. Donc Dieu a dit aux anges, gardez seulement Job. Ne gardez rien de ce qui lui appartient. Wow. Alléluia. Regarde celui qui a été de toi, dis-lui, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je sais, mais amen. Les gens aiment toujours dire que Dieu est le même seulement pour les miracles. Non, il est le même. On va évoluer. Oui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Satan akatoka kumbele ya Mungu.
Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient. Voilà. Tout ce qu'on vient de lire s'est passé dans les sphères spirituelles, dans le monde invisible. N'est-ce pas, hein? Maintenant, le verset ici nous ramène dans le monde visible. On voit dans le monde visible que ceux qui étaient dans le monde invisible n'avaient aucune information de ce qui s'est passé dans le monde. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient, et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Alléluia. Nous ne savons pas ce qui se passe dans le monde invisible. Alléluia. Oui, continue. Il arriva auprès de Job un messager qui dit: Batoto basha kwenda kwa mkubwa wa kwanja kufeti. Job acha bakia kunyumba yeye moyo na bibi yake. Messager moyo anakuwa kumuelezea. Les bœufs labourés. Bangombe yako balikuwa na rima. Et les ânes paissaient à côté d'eux. Kumpembeni yabo kulikuwa na bampunda bo balikuwa na kuria. Des sabéens se sont jetés dessus. Bantu bakutokea kusaba basabéens banakuwa kubalukia. Les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Banaua, bantu ya kaja ko bote. Et je me suis échappé moi seul mina kimbia kutumie pour t'en apporter la nouvelle. Joko kukonesha habari. Alléluia. Alléluia. Est-ce que si vous voyez Satan? Hein? Est-ce que vous le voyez? Mais on parle des hommes, des humains qui viennent attaquer chez Job. Je voudrais simplement te dire, les choses qui se passent dans le monde visible ont une cause invisible. Est-ce que vous comprenez? Les événements qui se passent dans le monde visible ne sont que des effets, mais les causes sont invisibles. Continue, ma soeur. Il parlait encore. Les Sabéens n'ont pas tué tous les serviteurs. Banacha moya. Qui a voulu ça? Hein? Satan. Vous allez comprendre. C'est le diable qui a organisé ça. Ces gens ont senti. Alléluia. Job, parce qu'il y avait les anges qui protégeaient. C'était un mur invisible. Ce qui fait que même les gens, même les bandits, même les voleurs ne pensaient pas aller voler là-bas. Parce que dans l'invisible, il y avait une mur de protection. Alléluia. Mais quand Dieu a enlevé la protection, les esprits, les démons, le diable a séduit ces gens-là. Ils sont allés. Vous allez comprendre après. Continue. Un autre arrive. Et dit. Anasema. Le feu de Dieu est tombé du ciel. Le feu de. Radi tu ina ntoka mbingu radi a embrasé les brebis et les serviteurs. Ina choma bankondolo bote moto tu inatoka kumbingu na choma bankondolo bote na batumishi. Alléluia. Hein? C'était des hommes, des êtres humains qui ont été utilisés par le diable pour voler les bœufs. Et ils ont tué. Deux, Satan a agi sur la nature. Vous comprenez, hein? La nature. Patatou, radi, inanguka, ina ouwa bankondolo bote na batumishi bote banalala. Qu'est-ce qu'il dit? Et les a consumés. Ina bachoma. Et je me suis échappé moi seul. Mina kimbia kopaka mi moya.
pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient. Du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, tazama, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, alléluia. Mets-toi à la place de Job. Vous n'êtes pas ville. Continue, ma soeur. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Chapitre 2, de 1 à 9, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Or, basi, les fils de Dieu vinrent un jour. Se présenter devant l'Éternel. Oui. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Continue. Mais, lakini, étant ta main, touche à ses os, bamba mifupa yake, et à sa chair, bamba mwili yake, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre seulement et par sa vie. Ushibambe kumaisha yake. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis, kisha, il frappa Job d'un ulcère malin. Malari moya bilonda, malari moya mkalamushi.
malari mukalamushi. Donc on a tunzia pendant que au Kiev. Tunzia malari mukalamushi. Pendant qu'on dit déjà que ulcère mais malin. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tessan. Job anabeba brosse pour se gratter. Et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit: tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu. Et meurt. Na ukufwe. Amen. Babakie kunyoa. Oui, comment Job alitafuta kufashia, alitafuta kwa na moo. Job na yansi ata. Gloire au Seigneur. Acclamons Jésus. Écoutez, la première chose, le premier objectif de Satan contre la vie de quelqu'un, c'est détruire sa foi. C'est tout. Laisse-moi te dire aujourd'hui, Satan ne s'intéresse pas de ton argent. Il ne s'intéresse pas. Ton argent ne lui dit rien. Tes enfants ne lui disent rien. Ta maison, tes biens, ça ne lui dit absolument. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. La chose qui a du prix aux yeux de Satan, qu'il veut détruire dans ta vie, c'est ta foi en Dieu. C'est tout. Alléluia. Alléluia. Si Satan a attaqué les bœufs de Job, si Satan a fait voler les bœufs de Job, si Satan a fait détruire par le feu les brebis et les serviteurs de Job, il a fait détruire ses richesses. Si Satan a fait même mourir les enfants de Job, quel était son objectif? Est-ce qu'il avait besoin d'argent? Il avait besoin des bœufs? Avait-il besoin des enfants de Job? Tout ce qu'il poursuivait, c'était quoi? La foi de Job. Écoute, dans ta vie, Satan ne s'intéresse pas de ton argent, tes diplômes, ton mariage. Satan lui-même, je vous parle de Satan. Il ne combat pas tes affaires. Pasteur Mnyombe, que je t'aime à la Comanisha, ça n'a voyagé encore. Il n'a voyagé encore à la Comanisha. Le premier objectif de Satan, c'est détruire ta foi que tu as en Dieu. C'est tout. Il y a des gens qui m'ont intéressé. Ni ma moyen et qu'on a utilisé pour détruire quoi? C'est tout ce qu'il cherche, ta foi. Parce qu'il sait que s'il détruit ta foi, alléluia, il a aussi détruit ton âme. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à... Right. Il n'y a que ceux qui ont la foi en Dieu, en Jésus-Christ, qui seront sauvés. C'est tout ce que le diable poursuit. Alléluia. Maintenant, si tu es chrétien, mais tu as la foi en Dieu, mais tu es aussi accroché à tes biens, à tes richesses, à ton diplôme, à ton mariage, à ton argent. Tu es accroché. Dès que Satan touche là, il détruit ta foi. Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? Tout ce que Satan cherchait, c'est quoi? C'était ça son objectif. Et ça a toujours été ça, son objectif. Il s'est présenté devant Dieu, il a dit... Dieu lui a posé, as-tu vu mon serviteur? Il est intègre, il dit non, c'est faux. C'est parce que tu l'as béni, tu as fait ceci. Tout ce qui intéresse Satan, c'est ta foi. C'est ta foi. C'est pourquoi, si tu es chrétien, même si Dieu te bénit, ne t'attache pas, ne t'accroche pas à la bénédiction. Alléluia. C'est comme ça que quand vous lisez Job chapitre 22, à partir du verset 21, Élihu donne un conseil à Job. Il lui dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras du bonheur. Attache-toi seulement à qui?
C'est tout. Dieu a permis qu'on puisse toucher tous les biens de Job et les détruire, même ses enfants. Il a permis qu'on touche même à son corps. Et la foi en Dieu, mais ne t'attache pas à ta santé. N'attache pas ta foi par rapport à ta santé. Parce que Satan peut toucher ta santé. C'est pourquoi je vous dis, on ne croit pas en Jésus. Nous ne croyons pas en Jésus pour les bénédictions. Nous n'avons pas la foi en Jésus pour qu'il nous donne l'argent, pour qu'on devienne millionnaire, pour ceci ou cela. Non. Ça, ce sont des choses que Dieu nous donne par sa grâce. Mais notre foi ne doit rester qu'en lui et en lui seul. Parce que Satan lui-même, pour tout homme sur la terre, il n'a pas changé son but. Quand il était Lucifer, il voulait que tous les hommes de ce temps-là puissent l'adorer. Croient en lui, aient foi en lui. Les prennent comme leur Dieu. Et cet objectif, il a jusqu'à aujourd'hui. Quand vous lisez Apocalypse, vous allez comprendre, avec l'histoire de l'Antichrist et la bête, toutes les nations vont adorer. C'est ça son but. Alors, son premier objectif, c'est détruire ta foi. Sommes-nous ensemble, hein? Sommes-nous ensemble. Alors, si tu es chrétien, tu crois en Dieu, tout en t'accrochant à ton mariage. Le jour où Satan va toucher ton mariage, c'est comme ça que vous entendez des gens qui disent, pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Quel péché que j'ai fait, Dieu a refusé de me pardonner? Pourquoi seulement moi, telle chose m'arrive? Pourquoi? Ça signifie, cette personne a déterminé sa foi par rapport aux choses, par rapport aux bénédictions. Quand il n'y a pas de bénédiction, il n'a pas aussi la foi. Écoute bien aimé, Satan, ennemi de notre âme, il n'a pas besoin de dollars. Parce que ta foi n'est une ligne. Il n'en a pas besoin. Alléluia. Il n'a pas besoin de maison. Il n'a pas besoin de tout ce que nous avons de physique, de visible. Il n'en a pas besoin. Il les utilise comme stratégie, comme moyen pour détruire ta foi. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que Dieu, pour savoir que Abraham a la foi en lui, il lui a dit, donne-moi ton fils, va le tuer. Consacre-le pour moi. En holocauste, Et Abraham a osé faire ça. Quand il a voulu tuer Isaac, Dieu a dit, arrête, maintenant je sais que tu me crains. Posons-nous chacun la question. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu au ciel peut-il dire à Satan, s'il le voit, bon il le voit, hein, lui voit tout, peut-il dire à Satan, alléluia, d'où viens-tu? Dis-nous, je viens de Lubumbashi. As-tu vu ma fille? As-tu vu mon fils tel? Il n'y a personne comme lui. Il est intègre, il se détourne du mal. Alléluia. Et si Dieu du ciel envoie un ange pour venir te demander, dit le Père, le maître m'envoie pour te dire, il y a Satan, il vient de dire à Satan qu'il n'y a personne comme toi. Alors il veut l'autoriser de t'arracher tout ce que tu as. Mais il dit, tout dépend de toi. Quelle est la réponse que je dois aller dire au Père? Va dire au Père, grâce, qu'il me fasse grâce, qu'il ne permette pas. Vrai ou faux? C'est pourquoi mon gars, c'est quoi? Dieu ne viendra pas te demander. Dieu ne viendra pas te demander. Mais sache que la foi est foi lorsqu'elle est éprouvée. Dis à celui qui est en face de toi, la foi en Dieu est foi que lorsqu'elle est éprouvée. Right. Et Dieu est le professeur qui ne viendra pas te dire, voici aujourd'hui la matière sur laquelle je vais poser l'interrogation. Dans le monde invisible,
ceux qui étaient dans ce monde visible n'étaient pas au courant. Bunakachika sakila shiku. Les enfants de Job ont dit, papa, nous allons à la fête d'anniversaire. Il dit, allez-y mes enfants, que Dieu soit avec vous. Et quand vous lisez la Bible, Job priait tous les jours pour ses enfants. Ce jour-là, il a encore prié, il a même prié pour ses enfants, mais ils sont morts. On est scombé à Makaji Yakob Subui. Bon, on est saïdié. Oui, on est amis, mais on a vu un peu pour les autres, les aïeux, les achins, les awapis, les awapis. On dit dans la Yesu, mangaribu on a l'ouri, on a protégé Makuta. Makuta, yote, chaque end. Quelqu'un est passé là, on a beba kasako, chikote, mouloukwa Makuta. Anenda naye. Kama imani yako, il est attaché au Makuta. Il est chiku, imani yako inanguka. Na shetani ataluka na weza Mungu lise. Shia huyu mimi nikuoneje sasa kuchambula. Ya huyu unamshika vile kuna sema. Écoutez bien aimé. Si tu perds la foi, tu as perdu ta vie. Alléluia. La foi est la chose la plus précieuse qu'on doit garder. Et tout ce que Satan cherche, c'est la foi. Ne pense pas que Mungu shetani kuna et on a un diplôme. Attends, il y a un diplôme. Il est déjà prince. Il a un royaume qu'il dirige. Vous pensez qu'il a besoin de quoi? Hein? De l'or. Il aurait tout le monde dans le chimboula au diamant. Il n'y a pas d'or. Un diamant. La seule chose qu'il n'a pas, c'est la foi en Dieu. Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? Alors, écoute, ne t'accroche pas aux choses de ce monde. Si Dieu te les donne, qu'il soit loué. Mais ne t'accroche pas à ça. Reste accroché à Jésus, parce qu'on ne sait jamais ce que Dieu peut permettre. Ah oui, qu'il est mon nez pour permettre. Alléluia. Un jour, une sœur m'écrit, pasteur, je me suis gardé, mille de chunga, jusqu'à mon mariage. Je me suis vraiment gardé. J'entends mon mariage, mais en arabe, le bonhomme, on a dit qu'on y fait. Il commence à sortir avec d'autres femmes. Il commence. Ma sœur, toi, ta justice là, tu l'avais mis sur ta virginité. Oh, tu t'es accroché sur ça, tu penses que c'est ça qui va te justifier. Asa, yola nanda kutoka, asa, wana nanda tena kuluria kule, mili di chunga, eh. Shetani nangaresa, aha, jopele penegalaga imani yake, chunga sasa. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire, il n'y a rien et personne dans ce monde qui peut te donner la joie. Je te dis la vérité. Même pas ton mari. Même pas ta femme. Alléluia. Il n'y a personne et rien. Même pas l'argent. Même pas la richesse. Personne. Si tu veux être joyeux, c'est ta communion avec Dieu qui va t'amener la joie. Même si celui-là en qui tu as espéré vient de te trahir, tu auras toujours là à cause de ta communion avec qui? Right. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. C'est la vérité. C'est la vérité. Des fois, ça peut montrer comme si ça scandalise, ça fait. Mais non, c'est vrai. Alléluia. Right. C'est vrai. C'est ta communion avec Jésus-Christ. Ta foi en Jésus-Christ qui peut te rendre heureux ou heureuse. Un point, un trait. Parce que Moutou ni Moutou, Bintou ni Bintou, tous sont des créatures. Et Satan peut s'incarner dans ton mari. Alléluia. Satan peut s'incarner dans ta femme. Satan peut s'incarner dans vos enfants. Satan peut s'incarner dans tes travailleurs, dans ceci ou cela, pour chercher à détruire ta foi. Le diable regarde les choses
ou les personnes sur qui tu tiens. Et il va attaquer ces personnes-là. Il va attaquer ces choses-là pour chercher à détruire ta foi. Alléluia. Je crois que quand on lui a dit la nouvelle, ces gens-là qui s'échappaient, c'était le diable qui les laissait pour qu'ils aillent donner la nouvelle à qui? Parce que le but de Satan, ce n'était pas ces choses-là. C'était de détruire la foi de Job. Or, pour qu'elle soit détruite, il faudrait qu'on lui amène la mauvaise nouvelle. Comme ça que Shetani dit qu'on a chabalé bato. Ah non, mon go. Mais Shetani dit qu'on a chabalé bato. Bah, jima. Bah, comme on l'était, Job, nini. Nouvelle. Et quand on a amené la nouvelle, le diable lui-même était là. Il était là. Où il y en a couillé? Eh, copale. Où il y en a couillé? Eh, copale. Alléluia. Pala na mona tu Job, on a passé la mango, on a sema. Ok. Ça y est. On a beba. Razor, on a ricata, on a sa. Ha ha. Chunga sasa anataka kusema. Haleluya. Anataka kuchambula Mungu, anataka kutukana Mungu. Anaitupa chini sasa. Okay. Vas-y papa. Vas-y papa. Jojo bananja. Je suis sorti du ventre de ma mère. Ni dit okay, c'est vrai. Continue petit. Je rentrerai dans la terre sans rien dit, c'est vrai. Kisha natosha, l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Ah, Moutana Choukatoua. Alléluia. Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Kama on a imani nani ya Yesu, Shetani ye moya. Pashoba de moyake, atakuangusha. Na utapotea. Parce qu'il est celui qui séduit toute la terre. Alléluia. Dans toutes circonstances qui nous arrivent, souvenons-nous de notre foi en Jésus. Nous n'avons pas cru en Jésus pour que nous n'ayons que de bonnes circonstances. Alléluia. Nous avons cru en Jésus pour la vie et la vie éternelle. Et toutes choses concourent à notre bien. Que de ta bouche ne sorte jamais une plainte. Même dans tes prières, n'adresse pas à Dieu des plaintes. Mungu angaria, pourquoi on a nyacha hivi? Benjangu benyetu lfuna na mamasomo. Bacha kupata makaji. Mungu angaria miyake kunenda. Mungu angaria. Non. Tu es en train de rendre gloire à Satan. Glorifie Dieu pour tout ce qui t'arrive. En bien ou en mal. Glorifie Dieu. Satan ne s'est pas arrêté là. Parce que son but, c'était de détruire la foi de Job. Il est allé vers Dieu, il dit peau pour peau. Quelqu'un peut tout donner pour sa vie. Et cela est vrai, n'est-ce pas? Alléluia. Kama muto kona makuta, kama na lukula malari sana, eko tayari. Ya, mubebe makuta, muni tafuche kutu muntu wa kuniponesha. N'est-ce pas? Il est prêt. Apo kuna fwa fieri, on avait téléphone, on a fait un fieri, voiture, nous jouons comme Jima. Loukoula. On a appelé à l'hôpital, à la clinique de Aupon. On a appelé à Kounani, au centre, Aupon. Delgado, Aupon. On a dit, non, médecin, mais il y a un rapport à Kouend. Moujiche, bien Koujicha. Mounidipi, il y a une fois. Right. À cause de la santé, quelqu'un est prêt. Satan dit peau pour peau. Dieu dit ok. Paka maisha yake. Ushibambeko. Alléluia. Mina kwa chia mwiri. Cela veut dire la vie n'est pas dans le corps. Alléluia. La vie, ta vie n'est pas dans. Il aura ça. Non, mungu akumbuke kwa maisha yangu. Maisha aina mwiri. Maisha iko mu nafsi. Njo ile Yesu alikufuia nafsi. Parce que kama nafsi inaokolewa, na mwiri, na roho itaokolewa. Si l'âme est sauvée, et le corps et l'esprit vont être sauvés. La vie est dans l'âme. Dieu dit ne touche pas son âme. Malari. Tena ya kuipalula banduku. Kwanja paka kumikulu paka ukichwa. Alléluia.
Hakuna namna ya kulala ni. Ni kuipalula ulcère malin. Ukuna ipalula ingambo bana chauffe huko ngambo kuna nje kwacha. Wewe ugeuke kuinende huko. Quelle souffrance. Alléluia. Satan a touché le cœur de la femme de Job. Elle a parlé. Comment elle s'est ma ville, ce n'est pas que la femme de Job était mauvaise. Alléluia. Parce que comment elle est mauvaise, si je peux le bibi moya tena mungu le mpatia Job na batoto, pas que na ule moya moyo le. Tena bazuri kupita batoto ba na mungu bote ba ile période, pas que ule mama moya moya. C'était un temps de preuve. Na ya nangaria bwane kona teswa. Mista beba kisu ni muwe, ni mubaye. Njia tu moya alufu tusha kuyua, omwa kosane na mungu. Kumbe kosana tu naye, akuwe. Vous comprenez? Elle avait un regard visible des choses. Ah, bwana yangu, una teswa. Dawa yote, ay marche. Kumbe, olia kute kuangaika. Ula na isu kukua weye. Paka mungu. Akuna, weye Job weye. Omwe mungu. Aleluya. Kumbe kosana naye, umuseme tu kimoya. Kimushirikisha afuwa nini? Hakuwe. Mais la Bible dit, Job a tenu à sa foi, pas à son corps. Alléluia. C'est, sous la tunenja kwa labik, on avait qu'à mira se, à mira ve, rien. Ma bouton, tout à coup, on a soko. Tout à coup, hein? Je suis dans une message parce que je ne saurais pas arriver la manière dont je suis. Je t'avais à Goufik. Ah, autant de couilles, tu n'as pas de match. Tu n'as pas de match. Eh, on a quoi, on a pas de couilles. On a pas de match. Et qui est-ce que je suis? Écoutez, peuple de Dieu, apprends aujourd'hui que Satan ne s'intéresse pas aux choses, aux biens, à l'argent, au mariage, au voyage, à la richesse. Il n'en a pas besoin. Le problème de Satan, c'est ta foi. Et il va attaquer des choses sur lesquelles tu tiens pour détruire ta foi. Alléluia. Sommes-nous ensemble jusque-là? Si tu as compris, acclame le Seigneur Jésus. Alors, prie beaucoup pour ta foi. La Bible dit, garde ton cœur plus que... Parce que la foi, c'est dans le cœur. La foi. Ça, c'est la première chose que Satan attaque dans la vie de quelqu'un. La deuxième, il n'y en a que deux. Il n'y a que... Right. Et puis, regardez dans l'histoire de Job. Il est venu la première fois, il a essayé. Ça n'a pas marché. Il ne s'est pas arrêté. Hein? Il a encore attendu. Un jour où les fils de Dieu se réunissaient devant Dieu, il est encore allé. Il est encore allé. La deuxième chose, c'est celle-ci. T'empêcher à accomplir ta destinée. Sur ce point ici, il est très stratège. Sur ce point ici, et il a déjà réussi à beaucoup de gens. Sur ce point ici, je vais vous expliquer. T'empêcher à accomplir quoi? Oui, parce que toi aussi, quand Dieu t'a créé et qu'il t'a envoyé sur la terre, il t'a envoyé pour une mission. Alléluia! Tu as une destinée à accomplir. Tu dois devenir ce que Dieu a prévu que tu sois et faire les choses telles que Dieu a prévues dans son livre. C'est comme ça que Dieu dit à Jérémie, quand tu étais encore dans les ventres de ta mère, je t'avais déjà consacré, établi, prophète des nations. C'était ça la destinée de Jérémie. Alléluia. Quelle était la destinée de Jésus-Christ? Quelle était la destinée de notre Seigneur Jésus? Hein? Quand il est venu sur la terre, quelle était sa destinée ou sa mission? Sauver l'humanité du péché et de la mort éternelle. N'est-ce pas? Hein? C'était ça sa destinée. Chacun de nous, Satan,
travaille pour t'empêcher d'atteindre ta destinée. C'est comme ça qu'il dévie beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont déviés de leur destinée. Beaucoup de gens. Il est magicien qu'on a vivre. Ningine tout. Aïna yo. Aïna il est mungo. Aïna yo. Ningine tout. Alléluia. Peut-être il a été créé pour être un grand médecin, pour être un grand pharmacien, un grand chercheur qui doit découvrir les médicaments pour soigner le cancer ou bien pour soigner telle ou telle maladie. Mais Satan a me dévié. Et quand tu n'y as un camion, et je suis un mécanicien. On était Villebrequin. Bien qu'on a tenu les actes, Abi Marichak, avec mon bien. Alléluia. Nous allons dans la Bible. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, versets 21 à 23. Matthieu 16, 21 à 23. La première stratégie est liée à la vie éternelle. Comment on a détruit l'immaniaque, c'est tout. Il te sépare de Dieu. La deuxième est liée à ta vie sur la terre. Ta mission. Qui est Mungwa le Kumbia. Alléluia. Alléluia. Je vais vous expliquer. Mon chaise à la chétane. Heureusement, tu connais Yesu. Alléluia. Mais quand tu es venu, il y a des erreurs dans la vie qu'il ne faut pas. Ok, on nous lit Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, de 21 à 23, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Dès lors, quand Dieu a parlé, Jésus commença à faire connaître Yesu akanja kubajulisha à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Kubamitume kasema inafai ende ku Yerusalem. Qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens. Bamutesu sana kubaze. Des principaux sacrificateurs et des scribes qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre c'était qui? Il était disciple de Jésus et c'est le disciple qui aimait Jésus. Alléluia. Pierre, oui. L'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, c'est ça que la Bible dit. Pierre se mit à le reprendre. Alléluia. Qui était maître? C'est Jésus. Pierre était qui? Mais Pierre tire Jésus à côté. Seigneur Jésus. Il dit oui, viens. Yesu na yona fota fetre comme gongo. Oui, on doit nous chaiser. Alléluia. La Bible dit il le prit à part. C'est ça, dit Jésus, viens. Comme Pierre était plus âgé que Jésus, hein. On avait un soulet à beaucoup de bois. Hein? Jésus, oui. En Afrique, on est coupé ben. Jésus, on a mouffé à terre, on a coupé ben. On a mis ça. On a saigné. Quand vous voyez un enfant commencer à reprendre ses parents, cet enfant a Satan. C'est Satan. Continue, ma sœur. À Dieu ne plaise, Seigneur. Asema, ata bi mufurai chez Mungu. Cela ne t'arrivera pas. Sans effet. Michel, on a demandé pour ça au nom de toi-même. Alléluia. Oui, il lui a dit sans effet. Oui, koufwa. Non. Chez tout comme maombi, le fils de tonnerre, tout à homme, habite à Franchik. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas, Jésus. Alléluia. Il a dit ça à Jésus. Jésus, c'est ce que tu viens de dire là. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas.
Ok. Maintenant, continue ma sœur. Mais Jésus, lakini Yesu, se retournant, anamugeukia, dit à Pierre, anamuelezea Petro, arrière de moi Satan. Aha. Alikuelezea nani? Mais il dit arrière de moi qui? Satan peut s'incarner dans n'importe qui. Dis à celui à côté de toi, Satan peut s'incarner dans n'importe qui. Alléluia. Jésus a compris que celui qui le parlait là, ce n'était plus Pierre. Parce que Pierre, en tant que disciple, ne pouvait pas prendre autorité sur Jésus. Que Dieu soit loué. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tu ne vas pas mourir, on ne va pas t'arrêter, tu ne vas pas souffrir, et puis, mambo neshia pour Jérusalem, autaenda. Or, la destinée de Jésus, il fallait qu'il aille à Jérusalem, il fallait qu'on l'arrête, il fallait qu'il souffre, il fallait qu'il meure pour nous sauver. C'était ça sa destinée. Mais Satan est venu lui proposer quelque chose de mieux. Pourquoi coûter ça? Alléluia. Ça semble bien. Et vous savez, on a dit, c'est bon. Je ne vais pas travailler. Je vais seulement rester comme ça et commencer à prêcher l'évangile. Parce que je ne vais pas travailler. On a mangé ça. D'ailleurs, je suis une entreprise. Vous savez, je suis un chef de service. Attends, je vais vous prêcher. Vous comprenez? La proposition de Satan était meilleure. Pourquoi souffrir? Alors, autant ne pas aller à Jérusalem. Alléluia. Tu peux continuer à vivre et continuer à prêcher la parole de Dieu, à faire ton œuvre que tu fais, chasser les démons, guérir les malades, mais pas aller mourir. Pas aller mourir. Cette proposition-là, Satan l'a donnée parce que Satan savait que si cette personne atteint sa destinée, moi je vais perdre. Si cette personne mourait à la croix, je vais perdre pour l'éternité. Alléluia. Il lui a donné une très bonne proposition. C'est ce que Satan fait dans la vie de beaucoup de gens. Il travaille pour t'empêcher à atteindre ta destinée. C'est comme ça que chacun de nous a déjà eu dans sa vie des propositions, des bonnes propositions, mais qui sont contraires à la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Mais ce sont des bonnes propositions. Je crois que la fois passée, je vous avais expliqué, on m'avait proposé d'aller étudier en Suisse par mon père. Il avait les moyens pour aller. Gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu est intervenu pour me dire non. Alléluia. Alléluia. On peut te proposer d'aller vivre en dehors du pays. Ça semble quelque chose de bien. Mais est-ce que c'est ça la volonté de Dieu pour ta vie? Satan est capable de te donner quelque chose, mais pour que tu n'entres pas dans ta destinée. Il sait que ce qu'il va te donner ne te fera pas entrer dans ta destinée. Ça sera pour un temps, mais après, le plan de Dieu ne s'accomplira pas sur ta vie. Et lui, Satan, ne va pas perdre. Parce qu'il sait que si tu atteins ta destinée, il va perdre. Si tu deviens qu'il est kinye mungu alisema unafaikuya. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens ici, on les avait déjà déviés. Tout ce qu'ils voudraient, c'est la foi pour entrer au ciel. Mais en dehors de ça, où êtes-vous avec votre vie? Quelle est la mission? Quelle est la raison de votre existence? Pourquoi Dieu vous a créé? Quelle est votre mission sur la terre? Pourquoi pas donner à Dieu?
Akujibu. Bali kumbia nini? Akujibu. Shiyue, Mungu mwenyewe. Mon peuple meurt faute de connaissance. Alléluia. Dans ma vie, je me suis battu plusieurs fois pour chercher un travail, un boulot. Travailler dans une entreprise de quelqu'un. J'ai eu la grâce de parler face à face et de manger même avec des grands chefs de numéro 1 d'entreprise. Mais ils ne m'avaient jamais engagé. Alléluia. J'ai dit, heureusement, la grâce de Dieu, alléluia, m'a aidé de comprendre pourquoi j'ai été créé. Alléluia. Kama unavumbula kinyewe Mungu alikuumbia na unaishi juu ya ile. Utakivumbula je? Mandoto yako, umandoto yako shi Mungu alishakuonesha ka bingine. Mais comme on y prend point garde. Joseph savait par des rêves que c'était lui qui allait être chef. C'est par les rêves. Et tous les mauvais événements qui sont arrivés dans sa vie l'ont amené à ça. Alléluia. Écoutez, Shetani, et qu'on a un objectif, tout mbiri, il a maïsha, kuvunja imani yako, kukwampeche, uishi, ile maisha Mungu ali décidé, juu yako pa dunia, ukakue kile Mungu alisema ukakue. C'est comme ça, pour détruire la foi, il utilise les circonstances. Il attaque les choses sur lesquelles nous tenons. Mais pour te dévier de ta destinée, il te pousse à la désobéissance, à désobéir Dieu, à pécher contre Dieu. Parce que là, il est sûr et certain que tu vas dévier. On a proposé à Jésus quelque chose de bien. Tu peux continuer à prêcher, mais pourquoi aller à Jérusalem mourir? Pourquoi les souffrir? Non, tu ne mourras pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Sans effet. En ton nom. Alléluia. Mais Jésus a compris. La Bible dit, Jésus se tourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Cela veut dire, Satan est venu empêcher que la pensée de Dieu pour Jésus s'accomplisse. Quelle est la pensée de Dieu pour ta vie? Sache que Shetan est qu'on a y combattu. Comment on a upende kuiyu, on a fait un semblant, on a renforcé davantage Shetan, parce qu'il sait que dans l'ignorance tu vas périr. Mon peuple meurt faute de notre ennemi, le diable. Il n'a que deux choses contre nous. Ça c'est l'oxyma pasteur Munyombe. Shetan a combattu ça dans ma cage yango. Shetani, ma kaji ya kwa nana yo besoin, ya taba na mupa yo, tafana yoni. Hein? Même si on donne à Satan tout l'argent du monde, il va faire quoi avec? Nana yo besoin. C'est un esprit. Il n'utilise pas l'argent. Lui, son problème, c'est ta foi et ta destinée. Que Dieu bénisse sa parole.